me by a 4 second interval. Catch me by surprise screaming situation critical. Situation critical. Death ray. Bonjour à tous, bienvenue à Paris, au Parc des Princes, avec une météo assez clémente, un très beau temps aujourd'hui pour cette rencontre. Au micro, bien évidemment, Pierre. Appelé ici Pedro Menef et moi-même Hervé Matou. Ouais, c'est la première journée de cette saison qui commence. C'est le parti des jours qu'on adore dans l'année. On est toujours très excités. Le Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone. Voilà une rencontre qui, je l'espère, sera à la hauteur de nos attentes. Coutinho. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Il est parti trop tôt, dommage. Mbappé. Oh, c'était dangereux ça, mais la défense est bien intervenue. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Oh, il était temps là, il était temps. Lionel Messi. Jordi Alba. Frenkie de Jong. Coutinho. Pour Sergio Busquets. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Mbappé. Mbappé. Oh, ça revient vers Neymar. Il s'est ouvert le chemin du but. Ter Stegen qui n'a pas capté le ballon. Coutinho. C'est donné en profondeur. Antoine Griezmann. Et le but, l'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Coutinho. Antoine Griezmann tout seul face au gardien. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Mbappé. Ah, il récupère les vertus du pressing. Jordi Alba. Jordi Alba. On me signale qu'une voiture gêne l'entrée du centre médical. Griezmann. J'attends plus de détails, mais si son propriétaire se reconnaît, merci. Antoine Griezmann. Coutinho. Busquets, Lionel Messi, Antoine Griezmann. Et il y est. Non, ce ne sera pas validé. L'arbitre assistant a levé son drapeau. Ouais, aucune hésitation. PSG qui perd ce ballon. Coutinho. Oh là là, l'occasion. Oh, le but du Barça. Le but du Barça, ça fait 2 buts d'avance maintenant pour les Catalans. Numéro 10, Lionel Messi. Voilà, ça fait maintenant du but d'écart. Hein. 2-0 au tableau d'affichage. L'arbitre qui siffle le coup franc en faveur du PSG.
Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et il continue tout seul. Frankie de Jong. Sergio Busquets. Léo Messi. Ouais, c'est bien joué défensivement. Bien vu. La chevauchée de Neymar. Julian Draxler. Di Maria. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Il mène à la marque désormais de buts à 1. Passe. Ah, le score leur est favorable. L'adversaire n'attaque pas beaucoup. Alors le ballon tourne. Avec De Jong. Frankie De Jong. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Messi. Neymar. Ballon perdu par les Parisiens. Antoine Griezmann qui continue. Ah oui, le bon ballon là. La frappe. Plongeon magnifique. Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Oh, le manque de chance. Ah, le manque de chance sur ce ballon piqué qui passe juste au-dessus. Ouais, c'est dommage parce qu'il avait pris la bonne décision. Vraiment, ça aurait pu fonctionner. Le FC Barcelone qui récupère. Ousmane Dembélé. Il y a le gardien qui s'empare du ballon. Ouais, tranquille, sans souci. Mbappé. Il y avait peut-être une faute, mais le PSG qui bénéficie de l'avantage laissé par l'arbitre. Il y va tout seul, énorme occasion. Le gardien, c'est pas fini. Ousmane Dembélé. Avec Griezmann. Jordi Alba. Griezmann. Les Blaugrana qui ont le ballon. Il faudra revoir ce tacle, mais bon, ça joue. Ça pouvait siffler, on va voir si ça profite maintenant. Neymar. Kylian Mbappé. Ouais, le ballon piqué. Oui, bien joué le gardien qui écarte le danger. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Ah, pas mal le pressing de cette équipe. Mauvais choix pour Jordi Alba qui perd le contrôle du ballon, qui le donne à l'adversaire. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Verratti. Ouais, une belle série de passes là de la part du Paris Saint-Germain. Antoine Griezmann avec Jordi Alba. Frankie De Jong. Ah, il bascule sur l'aile histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Ah, la bonne qualité de ses passes. Sergio Busquets. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Ah, ce ballon piqué qui vient tromper le gardien. La fin des 45 premières minutes qui ont été prolifiques puisque le score est déjà de 3 buts à 1. Les statistiques de Léo Messi dans ce match jusqu'à présent, on le trouve assez bon. Hein. Il est en train de faire des grosses misères à cette équipe et notamment au gardien. Il n'hésite pas à prendre sa chance, être partout d'ailleurs.
Le match qui reprend avec toujours cet avantage pour l'équipe du Barça. Ousmane Dembélé. Sergio Busquets. Avec Dembélé. Sergio Busquets. Jordi Alba. Philippe Coutinho. Griezmann. Pour Griezmann, ce centre. Ah non, c'est mal exploité. Mbappé. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Oh, il a de la place devant lui. Oh, superbe, la balle piquée. Il marque. Ça fait donc 3 buts à 2. Un petit but d'écart. Messi. Le Barça qui continue, il y a avantage. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Angel Di Maria. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Lionel Messi. Les Blaugrana qui ont le ballon. Ouais, il avait vu venir. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Et elle n'ira pas au bout, cette contre-attaque. Messi. Intercepté, la passe de Messi. Ouais, ça presse haut, attention à ce ballon. Ouais, bien joué de la part de Coutinho. Bon, attention, c'est pas fini. Draxler pour Neymar. C'est une faute, bien sûr, logiquement signalée par l'arbitre. Et l'arbitre qui va sortir le jaune, oh, il s'en sort bien. Ouais, là, j'avoue que je comprends plus rien. Pour moi, c'était un rouge évident. Une balle d'égalisation. Et le but après un énorme travail, un gros boulot de récupération. Ouais, c'est mérité, ils n'ont pas arrêté de faire pression sur le porteur. Et au final, ça leur a permis de récupérer un excellent ballon. Le ralenti donc avec ce but qui récompense les efforts énormes déployés par ces joueurs. Ils ont pressé haut, ça a payé évidemment, il faut avoir les moyens de le faire. Et c'est peut-être là tout leur mérite. Léo Messi, De Jong. Ah, le ballon qui circule mais la défense qui ne peut pas faire grand chose. Ouais, bon tacle, il lui a pris le ballon. Et touche pour le Barça. Antoine Griezmann, il cherche des solutions là. Frankie de Jong. Coutinho, et il était en position de hors-jeu. L'arbitre qui laisse l'avantage au Paris Saint-Germain, il a fait signe de jouer. PSG qui perd ce ballon. Pascal Kimpembe, il était là. Ouais, bien, ils ont bien pressé, ils sont allés le chercher ce ballon. Passe ratée de Griezmann. Ouais, Neymar, superbe ballon dans l'intervalle, attention. Ah, il aurait dû retarder son appel. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Antoine Griezmann. Ouais, ça revient vers Messi. Ousmane Dembélé. Coutinho. Il y avait la puissance, ça c'est clair, mais la précision manquait un peu. Ouais, c'est justement ça, la nuance, tu vois, Hervé, c'est dans le un peu. Ouais, on n'avait pas besoin de statistiques pour savoir qu'on se régalait dans ce match. Les défenseurs ne jouent pas en ce moment. Oh, la parade exceptionnelle! Oh, quel arrêt! Ah, c'est magnifique, et d'ailleurs, ses coéquipiers le félicitent. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Ousmane Dembélé. Ah, ils ont eu chaud sur cette action. Le ballon qui était à deux doigts de franchir la ligne. Oui, les supporters ont retenu leur souffle pendant une fraction de seconde, mais c'est dans les bras du gardien. Waouh, bien vu ça. Neymar. Angel Di Maria. Allez, l'occasion peut-être de mener. Ah, dommage, c'était une belle opportunité, mais le drapeau s'est levé.
Messi. Coutinho. Ah, il redonne à Griezmann. Messi. Il est parti trop tôt, dommage. Di Maria. Rapidité, vivacité, technicité. J'ai résumé à peu près les qualités. Oh, il va filer au but. Le voilà, le but. Ils étaient largement menés. Et les voilà en tête dans cette partie. Bon, on pensait qu'on allait droit vers un score de parité. Eh bien, les voilà qui prennent l'avantage. C'est sûr, c'est un but qui va faire mal. Maintenant, il va falloir tenir ce score pendant les quelques minutes qui restent. Coutinho. Il y a un coup à jouer là pour Barcelone. L'égalisation peut-être au bout de cette action, pourquoi pas. Mbappé. Le PSG qui va profiter de cet espace sur les ailes. Il y va tout seul. Ce sera à 6 mètres alors qu'il était en bonne position. Les 6 dernières minutes du temps réglementaire. Sergio Busquets. Messi. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Le ballon pour Coutinho encore. Allez, faut pas la rater. Et l'égalisation. Oh, le match n'est pas terminé. Ouais, c'est superbe ce qu'il vient de faire. Ah, c'est superbe surtout parce que c'est tellement spontané. Allez, encore une égalité. Ce ballon qui est intercepté au milieu de terrain. Allez, il faut le mettre celui-là. Là, il marque. Oh, le but qui va peut-être décider de l'issue de ce match. Le Barça est mené. Pas beaucoup de temps additionnel, hein, seulement 2 minutes. Mbappé. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Et ce ballon qui est bien récupéré. Et le match qui s'achève à l'instant. Cette équipe qui... Bonjour à tous, nous sommes en Espagne aujourd'hui, plus exactement en Catalogne, à Barcelone. C'est Hervé Matou au micro, ravi de commenter ce match pour vous en compagnie de Pierre Ménès. Le FC Barcelone face à l'Inter de Milan. Oui, avec des joueurs qui ont raté la première marche de cette saison, ils ne peuvent pas se permettre d'enregistrer une deuxième défaite d'affilée. Messi qui se défait bien de son défenseur. Occasion de prendre l'avantage. Ouais, le ballon qui file vers le but. Et bien sûr, il n'y a plus personne dans les cages pour l'arrêter. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Et le Messi. Elle a lutté après un peu reprendre ce ballon. Oh, c'est bien donné en profondeur. Attention à cette bonne passe en profondeur. Attention à la frappe de loin.
De Jong. Sergio Busquets. Jordi Alba. Antoine Griezmann. Clément Lenglet. Lionel Messi. Ouais, Messi, ça c'est bien joué. Mais non, ça ne donnera rien au final. Romelu Lukaku. Lautaro Martinez. Tout seul face au gardien. Ter Stegen qui n'a pas capté le ballon. Oh, ça se termine dans les bras du gardien. Un gardien qui a dû intervenir en deux temps. Ouais, une parade assez miraculeuse pour commencer. La suite a été plus calme. Ah non, le ballon est perdu. Sergio Busquets. Sergio Busquets. Vaya a las escaleras frente a la tienda. De Jong. Ouais, lumineuse cette passe. Oui, c'est donné dans l'espace. Et le but. Oh, est-ce que quelqu'un a vu le gardien sur cette action? On voit cette action. C'était pas le but le plus compliqué à mettre de sa carrière. Mais hein, bon, fallait le mettre. Ouais, c'est ça. Il en a profité. Mais en même temps, il n'avait pas le droit de rater ça. Hein. Ça fait maintenant du bout d'écart. Hein. 2-0 au tableau d'affichage. Antoine Griezmann. Oh, le petit ballon piqué. Un superbe balle piquée pour tromper le gardien. Vraiment la passe en profondeur qui a précipité les choses. On revoit tout ça en ce moment. Après, une petite gourmandise, et je ne déteste pas ça, les gourmandises, avec ce ballon piqué pour passer juste au-dessus le gardien et conclure en finesse. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Ouais, il a tout le couloir devant lui. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Ballon récupéré par Sergio Busquets. Coutinho. Messi. Il redonne à Griezmann. Le petit ballon piqué. Excellente sortie dans les pieds du gardien. Il remporte son duel sans commettre. Oh, le bon ballon pour Griezmann. Frappe contrée. Inter qui perd ce ballon. Qui de Jong. Un ballon qui est donné en profondeur. Pas bien négocié. Pas bien négocié ce ballon. Ah, le pressing qui paye dans le camp adverse. Ousmane Dembélé. Messi. Messi qui a manqué sa passe et qui donne le ballon à l'adversaire. Léo Messi. Oh, le but peut-être. Petit ballon piqué, attention. Si Messi qui marque d'une reprise magistrale. Fabuleux. On revoit le but. Bon, j'ai pas trop envie de tailler le gardien sur ce coup. Il a fait ce qu'il a pu. Il sort même un bel arrêt pour commencer. Bon, c'est dommage pour lui que ce soit un adversaire qui ait hérité du ballon. Une première période qui vire à la démonstration. Qui rend le ballon à l'adversaire. Oh, le vilain tacle où l'arbitre va sévir à mon avis. C'est donc un carton jaune. Hein. Oula, attention, l'arbitre a la gâchette facile. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Griezmann. Ça c'est un ballon perdu par Antoine Griezmann. Une mauvaise transmission du côté de l'Inter. Busquets. Lionel Messi. Ousmane Dembélé. Ah, c'est pas ce qu'il voulait faire, mais il a rendu le ballon à l'adversaire. Oh, c'est bien donné en profondeur. Ah, il aurait dû retarder son appel. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Ousmane Dembélé.
Dembélé avec De Jong. Messi. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Allez, faute, oui, faute et coup franc, ça peut être dangereux. Léo Messi, la belle tentative de feinte, mais ça n'a pas marché. Oui, mais il avait qu'à lui téléphoner avant s'il veut. Romelu Lukaku. Achraf Hakimi. Les joueurs de l'Inter qui vont essayer de mettre la pression. Ah non, ce n'est pas cadré. Dommage quand même, elle était belle cette frappe. Coutinho. Antoine Griezmann. Sergio Busquets. Messi. Frankie de Jong. En profondeur, oui, bien vu. En profondeur. Là, c'est son troisième aujourd'hui. La défense ne retient pas les leçons. On revoit le 1-2 à l'origine du but avec Messi en relais. I got you. You can kick it with a crew like Kung Fu on cue. Stood in the corner of a dark room with a look in your eyes that say I want you. Okay. Twos, I got you, I got you. And you make the rise at the sun do, okay. Sun Tzu. The best way to subdue, okay. Come true. What you want, who's gonna stop you? You lied to my love. Bonjour à tous, nous avons rendez-vous aujourd'hui dans ce stade magnifique qui est l'antre du FC Barcelone. Lamanès et moi-même, nous allons commenter cette rencontre. Le FC Barcelone contre Manchester City. Mon petit Hervé, merci pour cette intro, merci de m'accueillir à tes côtés. Et je nous verrais bien assister à un grand match de foot aujourd'hui. Merci qui perd le ballon. De Bruyne. Cette faute qui donne un coup franc dangereux. Ah, il y a un bon coup à jouer sur ce coup franc et une belle occasion de prendre l'avantage dans ce match. Oh, c'est renvoyé par la barre. Il avait vu venir. Allez, il faut pas trop réfléchir dans ces cas-là. Au lieu de se lamenter, ben, il faut tout de suite repartir au boulot. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Ouais, il repousse, ça joue. Ouh, il était temps, hein, il était temps. Alors, personnellement, j'ai assez hâte de voir ce que peut donner cette opposition où l'on verra Léo Messi face à De Bruyne. Ah, pour ce match, on a la chance d'avoir deux excellents joueurs avec, qui brillent souvent dans l'entrejeu et dans la circulation du ballon. Allez, il peut prendre l'espace. Oh, la nouvelle occasion. Oh, il y est. Oh, le premier but dans cette rencontre. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Ruben Dias. Déjà le premier coup de sifflet. Avantage laissé à Manchester City. Ah, il prend le ballon, c'est bien joué. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Sterling. La frappe était lourde, mais très belle intervention du gardien. Ballon qui file en corner. Ah, c'était dangereux.
Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Allez, dans le couloir. Attention, il peut aller au bout maintenant. Et l'égalisation! L'égalisation! Eh bien, dites-moi, il y a de l'animation dans ce début de match. Contrairement à certains matchs où les équipes pourraient jouer des heures sans marquer, là, c'est plutôt sympa. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Les joueurs du Barça opposés à un sérieux adversaire aujourd'hui. L'occasion de prendre l'avantage. Et c'est au fond. C'est au fond et ce nouveau but pourrait bien assommer l'équipe adverse. Et c'est Barcelone qui voit son adversaire prendre l'avantage. Comme en anglais. Coutinho. 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 Il avait tout compris là, le défenseur, bien vu. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Le contre qui s'arrête là avec cette perte de balle. Messi. De Jong. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Agüero. Riyad Mahrez. Ouais, pour Agüero encore. Mahrez. Ouais, bien joué, il fallait y aller hein, sur ce ballon en profondeur. Coutinho. Ouais, bien arbitré là, le Barça qui poursuit son action malgré la faute. Le bon ballon en profondeur. Il fallait intervenir urgemment. Bon. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Mais non, c'est sans danger, cette reprise de la tête. Ouais, ça passe assez loin du cadre. Rodri. Agüero. Bernardo Silva. Le face-à-face, attention. Et le but de Manchester City. On revoit ici ce joueur qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrait la route. Un buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. Ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage. Bernardo Silva. Et Agüero. Sergio Agüero. Manchester City qui perd ce ballon. Ah, il enchaîne les bonnes passes avec De Jong. L'arbitre a laissé jouer, avantage pour le Barça. Antoine Griezmann. Ouais, il avait vu venir. Ouais, Bernardo Silva, ballon perdu. Griezmann, il peut le mettre. Le très bon geste défensif. Ouais, lumineuse cette passe. Allez, dans l'espace. Léo Messi. Ah là, c'est pas fini encore. Antoine Griezmann. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Ça profite à Manchester City. L'arbitre fait signe de jouer. Il faut sanctionner. Et coup franc pour Manchester City. La porte. Rodri. Ouais, il a encaissé le choc, mais quel équilibre. Ouais, il a bien lu le jeu. Il prend sa chance de loin. Le jeu Busquets. À Griezmann. Ouais, bien donné ce ballon.
Yasman qui n'a personne pour contrarier, qui va pouvoir s'enfoncer sur le côté. Penalty concédé alors que l'équipe semblait maîtriser ce match. Ça peut être remis en question si ce penalty est transformé. Penalty et expulsion, c'est la totale. Ouais, Pierre, c'est dur. Hein. Le penalty. Qui est transformé. Sergio Aguero. C'est la fin des 45 premières minutes. 3-2, c'est le score. On espère. Allez, c'est reparti dans ce match. Manchester City qui mène, on le rappelle. Kevin De Bruyne. Raheem Sterling. Le ballon est perdu par Manchester City. Griezmann. Ah, il va devenir dangereux. Oh, le numéro qu'il nous fait, et ça va être dangereux. Et le but, le ballon qui a touché le poteau et qui termine sa course au fond des filets. Et c'est encore un retour au score, une nouvelle égalité. Griezmann. Ouais, il fallait sortir sur ce ballon. Excellente anticipation du gardien. Zinchenko. Ah, c'est bien donné ce ballon. Oh, le ballon dangereux. Oh, il bien joué. Ter Stegen qui remporte ce duel. Il est resté calme sur ses appuis. Avec De Jong. Avec ses stats, c'est encore plus clair. On assiste à un vrai beau match de foot avec des occasions à l'appel de part et d'autre. Avec De Jong. Oh oui, encore une bonne passe. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Sergio Aguero. Ouais, elle est interceptée, cette passe de De Bruyne. Barcelone qui obtient le coup franc. Ah, un coup franc plutôt lointain quand même, mais ça a pas l'air de lui faire peur, hein. Ousmane Dembélé. Coutinho. Frenkie de Jong. Ils conservent, ils font circuler, mais ils attendent la faille, bien sûr. Ils reprennent possession du ballon. Zinchenko. Ouais, il est bien placé pour centrer. Sergio Busquets. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque.
Ousmane Dembélé, il cherchait quelqu'un, mais il ne l'a pas trouvé. Ouais, le tacle. Lionel Messi. Coutinho. Ah oui, la bonne passe. Oh là, heureusement qu'il était là. De Bruyne. De Bruyne, mais qui perd le ballon. Antoine Griezmann. Il file seul vers le but. Oh, ça va dedans. Oh, le but. Oh, la remontée incroyable. Ils sont en tête désormais. On va revoir ce but avec d'abord la passe en profondeur qui a mis la défense en difficulté. Après, c'est pas la peine d'en faire des caisses. Hein. Deux joueurs contre le gardien, c'est inratable. L'arbitre a laissé jouer, avantage pour le Barça. Oh, la faute, oui, il est allé trop fort. Il risque de prendre un jaune. Une sortie à laquelle on s'attendait un petit peu, hein, Pierre. Oui, nous, et sûrement le joueur lui-même. Il sait très bien qu'il a raté son match. Quel en anglais. Sergio Busquets. Antoine Griezmann. Sergio Busquets. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Ballon perdu un peu bêtement par Griezmann. La passe de De Bruyne, mais qui rend le ballon à l'adversaire. Cherche une solution là. Messi. Il faut trouver une ouverture. Et le but. Et le drapeau, attention, qui s'est levé hein, sur cette action. L'arbitre assistant a vu en jeu, le but est refusé. Bernardo Silva. Avec Gabriel Jesus. Il faut sanctionner et coup franc pour Manchester City. On a perdu le ballon de Bruyne. Le bon coup d'œil. Ça va donner une balle de contre intéressante, vraiment. Oh, il s'est ouvert un boulevard. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Léo Messi. Allez, attention, il peut y aller. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça se joue à pas grand-chose parfois. Hein. Kevin De Bruyne, 8 minutes, hein, c'est le temps qui reste à jouer. La victoire n'est plus très loin maintenant et le public du Liberty. Attention, c'est peut-être la fin. C'est une forme de logique hein, qui est respectée avec ce but. Face à céder face à une équipe qui a l'avantage d'évoluer en supériorité numérique.
Bonjour à tous, nous avons rendez-vous aujourd'hui dans ce stade magnifique qui est l'antre du FC Barcelone. Pierre Ménès a pris place à mes côtés pour vous faire vivre avec moi ce grand rendez-vous de foot, le FC Barcelone contre Manchester City. Ah, quelque chose me dit qu'on ne va pas s'ennuyer encore aujourd'hui. C'est le Foden. Le ballon est perdu par Manchester City. Messi. Le gardien sauvé par son poteau. Ah oui, c'est dégagé par le défenseur. Allez, il faut le mettre celui-là. Oh, le plongeon. Oh, il n'a pas hésité à y... Et il a eu raison. Ouais, il fallait encore l'avoir le ballon, hein. C'était pas évident. Ah, c'est bien défendu. Ah, il a voulu tenter le coup. Oui, oui, on va dire qu'il s'est fait plaisir, mais c'est complètement foiré. Joao Cancelo. Mahrez. Oh, la faute. Ouh, la faute, trop d'engagement sur ce tacle. Ça sent le carton jaune. Bernardo Silva. Allez, faute, oui, faute et coup franc, ça peut être dangereux. Ballon magnifiquement capté par le gardien. Frankie de Jong. Messi. Ousmane Dembélé. Sergio Busquets. Ousmane Dembélé. Ouais, le défenseur qui enraye cette action. Ouais, le ballon qui est donné en profondeur. Oui, c'est donné en espace. Ter Stegen qui n'a pas capté le ballon. Oh, il y est. Oh, le premier but dans cette rencontre. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Le gardien qui se trouve un petit peu, on le voit bien, en remettant le ballon en jeu. Du coup, la punition ne se fait pas attendre trop longtemps. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Avec De Jong. Passe de Busquets. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Et c'est finement joué, ça, de la part de Sterling. Mahrez. Ah, beaucoup d'assurance hein, dans son geste. Attention à la contre-attaque. Griezmann avec du soutien. De Jong. Peut-être l'égalisation sur ce coup. Bonne défense, mais le danger qui n'est que écarté, il est toujours là. Non, 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 le drapeau s'est levé, ça va être un hors-jeu. Kyle Walker. Bon, Gabriel Jesus. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oh, le but peut-être. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Antoine Griezmann. Bernardo Silva. De Bruyne. Ah, c'est un joueur dur, hein. On l'a vu sur cette récupération. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Manchester City qui remet le pied sur le ballon. Ouais, lumineuse cette passe. Et non, ça ne donnera rien au final. Frankie de Jong. Sergio Busquets. Griezmann. De Jong.
Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Griezmann avec De Jong. Il redonne à Griezmann. Il faut trouver une option disponible. La récupération des Citizens qui vont pouvoir enchaîner. Bernardo Silva. Oh, c'est bien donné ça. Sterling, bon ballon pour Sterling. Visiblement, on cherche la brèche en faisant tourner. Kevin De Bruyne. Chercher une ouverture, bien sûr. Avec Riyad Mahrez. Gabriel Jesus. Oh, il s'échappe tout seul, balle au pied. Ter Stegen, attention, l'action qui se poursuit. Et le but, et ça fait deux buts d'avance pour Manchester City dans ce match. Ça fait donc deux buts d'écart maintenant, 2-0. Perdu par Coutinho. Le Barça, la récupération. Et oui, comme d'hab, c'est le Barça qui monopolise un peu le ballon. Mais cette équipe se crée finalement assez peu d'occasions franches. Quand elle n'emballera pas un peu le match, elle risque de venir buter à chaque fois. Attention, elle peut relancer le match là. Ouais, ça peut faire mal ça. Sortie impeccable du gardien qui est venu se coucher dans ses pieds. L'attaquant n'a même pas eu le temps de faire accrocher. Messi toujours, personne pour l'arrêter. Frankie de Jong. Philippe Coutinho. Oh, l'occasion. Messi. Ah, ils sont tout proches du match nul maintenant, plus qu'un but. Un petit but d'avance donc, le score est de 2 buts à 1. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Bernardo Silva. La fin des 45 premières minutes. Sur ce score donc de 2 buts à 1. Manchester City et qui mène donc. Et la seconde période qui débute à l'instant. Benjamin Mendy. Ouais, Sterling qui va peut-être déborder. Ouais, c'est bien joué défensivement, bien vu. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Clément Langlais. Philippe Coutinho. Messi. Messi qui perd le ballon. Ah, la bonne qualité de ses passes. Frankie de Jong. Coutinho. Une balle d'égalisation. Tacle parfait. Ça pouvait faire but. Bernardo Silva. Gabriel Jesus. Allez, le ballon qui est dégagé. Lionel Messi. Philippe Coutinho.
Antoine Griezmann. Messi. Ousmane Dembélé. Ce sera sans difficulté pour Ederson. Joao Cancelo. Il va être à bout portant. Ousmane Dembélé. Busquets. Sergio Busquets encore. Sergio Busquets. Le ballon est perdu. Petite erreur de Bernardo Silva qui perd ce ballon. Avec De Jong. Sergio Busquets. De Jong. Heureusement qu'il était là. Ah, mauvaise intervention là. Une sortie à laquelle on s'attendait un petit peu, hein, Pierre. Oui, nous, sûrement le joueur lui-même. C'est très bien qu'il a raté son match. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Oh, penalty. Penalty. Il manquait plus que ça dans ce match. Ouais, si le penalty est transformé, alors là, il va vraiment falloir cravacher derrière. Hein. Et le gardien, oh, qui arrête. Oh, c'est très bien joué là, il a choisi la bonne option. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Ouais, la frappe. Oh, la belle intervention du gardien là pour écarter le danger. Ouais, il n'a pas hésité à y aller à fond, c'est bien. Des corners, et ça peut permettre à cette équipe d'accentuer son avance hein, en tête de l'affichage. Allez, le corner frappé par Riyad Mahrez. Une tête pas assez appuyée pour vraiment inquiéter le gardien. Ousmane Dembélé, on ne sait pas ce qu'il voulait faire, mais il a rendu le ballon à l'adversaire. Phil Foden. Il se trouve vraiment bien, hein, les Citizens aujourd'hui. Griezmann. Sergio Busquets. Jordi Alba. Sterling. Gabriel Jesus. Raheem Sterling. Riyad Mahrez. Redoublement de passe pour créer de l'espace. Riyad Mahrez. Il a bien vu, il l'a bien vu, c'est bien joué. Ça c'était dangereux, bonne intervention. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Attention à la contre-attaque. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Magnifique, le gardien, il a pris la bonne décision hein, sur cette passe en profondeur. Phil Foden. Gabriel Jesus. Il y va tout seul, énorme occasion. Ouais, ça peut faire mal ça. Et c'est un but pour Manchester City. Ils ont parfaitement joué le coup à deux. Face au gardien, ils ont parfaitement géré le bon pas. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Sterling. Ah non, non, c'est mal défendu là. Allez, il y a de l'espace devant lui. Mahrez. Oh, c'est une balle de but là pour Mahrez. Kerst. Oui, le but, oh, quelle est belle. Quelle reprise. Techniquement, c'est parfait, magnifique.
diapers and snowflakes on my necklace. He just went and did, then why you flexing? I'm a $100 million child. Bonjour à tous, nous sommes en Espagne aujourd'hui, plus exactement en Catalogne, à Barcelone. C'est Hervé Madou au micro, ravi de commenter ce match pour vous en compagnie de Pierre Ménès. Le Barça face au Real Madrid. Attention, il y a plein de bons joueurs sur le terrain. Là, je pense que ça va jouer. Coutinho. Sergio Busquets. Les Blaugrana qui ont le ballon. Ouais, bonne transmission. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Benzema. Modric. Allez, peut-être une belle occasion pour Benzema. Et le but ! Déjà 1-0. Voilà un match qui commence. Marca el Madrid con el 9 Messi. Benzema. Ousmane Dembélé. Frankie de Jong. Oh, le défenseur, il n'a rien compris là. Ah non, je crois que le temps qu'il pige sur quel pied il fallait mettre là. Coutinho. Ballon intercepté sur cette passe de Coutinho. Toni Kroos. De Jong. Coutinho. Griezmann. Coutinho qui perd ce ballon. Benzema. Ah, il perd ce ballon. Messi toujours. Personne pour l'arrêter. Regardé par l'arbitre au Real Madrid. Benzema. Casemiro. Et ça revient sur Karim Benzema. Carvajal. Attention, il peut centrer là. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. Et finalement, ce ballon va peut-être revenir très vite. Griezmann. Ah oui, la bonne passe. Il a démarré un petit peu vite. Modric. Pour Casemiro. Casemiro. Karim Benzema. Toni Kroos. Ouais, après un bon pressing, eh bien, il retrouve la possession du ballon. Luka Modric. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Lionel Messi. Antoine Griezmann. Avec Messi. Avec De Jong. Voilà, ça revient vers Messi. Ah oui, le bon ballon là. Oh, l'excellent tacle dans la surface de réparation en plus. De Busquets. Une bonne phase de conservation là, en attendant d'aller chercher
l'action qui permettrait d'égaliser. Oh, quel dommage! Le gardien qui était largement battu! Un petit manque de sang-froid là quand même. Le ballon qui a été dévié, ce sera une touche. Casemiro. Luka Modric. Le Real Madrid qui s'approche du but. Il la joue un petit peu comme au hand. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Bientôt la pause. Toujours pas de but pour le Barça jusqu'à présent. Pas de but encaissé non plus. Oh, personne pour l'arrêter. Attention. Oh, c'est encore chaud. Oh, le but. L'égalisation du Barça. Eh bien voilà, un classico qui tient toutes ses promesses. Ouais, c'est très très ouvert en tout cas. Et c'est difficile de savoir qui va l'emporter. Kamenic. Encore un bon ballon. Et... allez, dans le couloir. Toni Kroos. Modric. Plongeon magnifique. Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Le corner. Les Madrilènes qui vont mettre un peu la pression dans la surface. Ils aimeraient bien passer devant maintenant. Modric. Un centre à destination de Vinicius Junior. Un mauvais dégagement là, attention. Oh, le ballon qui a flirté avec la ligne de but et intervention décisive du gardien. Ouais, tout le monde peut respirer un grand coup, c'était une occasion nette, mais le danger est passé. Lionel Messi. Lionel Messi. Griezmann. Lionel Messi. Dembélé. Oh oui, c'est bien défendu. Toni Kroos. Passe. Ouais, la magnifique passe là de Modric. Ouais, c'est bien dosé ça. Attention, ce ballon piqué. Oh, quel but! Oh, quel but! Incroyable! Quel geste magnifique! Il va faire le tour du monde. Ouais, ça se confirme, le ballon est... comme bien souvent dans les pieds d'un joueur du Barça. Cette équipe a quand même du mal à amener le danger devant le but adverse. Tant qu'elle n'obligera pas la défense adverse à se découvrir un peu, bah ce sera dur de revenir au score. Antoine Griezmann qui continue. Messi. Ah non, la passe est interceptée. Karim Benzema. Et c'est la mi-temps. Sifflé à l'instant par l'arbitre sur ce... match qui reprend avec donc cet avantage pour le Real Madrid pour l'instant. Rendu à l'adversaire par les Madrilènes. À nouveau par Messi. Busquets. Perdu par le Barça. Attention, la contre-attaque. La contre-attaque qui se poursuit. Hazard, ça peut faire but. Ouais, l'entraîneur pas très content. Il estime que ses joueurs ont gâché une bonne possibilité de contre-attaque. Clément Lenglet qui finalement éloigne ce ballon. On avait tout compris là, le défenseur, bien vu. Ouais, bien donné ce ballon. Coutinho, Lionel Messi, Griezmann. Occasion ratée, incroyable. Ouais, le Barça qui court toujours après son but de retard. Pierre convaincu ou pas par la première période d'Eden Hazard? Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause, ça va le mettre en confiance pour la seconde période. Lionel Messi. Ouais, il a bien lu le jeu. En profondeur, oui, bien vu. Il a vu l'appel de balle. Oh, il était là, excellente intervention.
Sergio Busquets. Jordi Alba. À Griezmann. Oh, bien vu ça. Non, non, ça ne passe pas. La passe lobée pour essayer d'alerter Hazard. L'appel de balle et la passe en profondeur. Intervention du gardien au prix d'un joli plongeon, Pierre. Ouais, ouais, ça fait le boulot, c'est tout ce qui compte. Allez, corner pour cette équipe qui va avoir l'occasion peut-être de creuser l'écart. Ah, c'est bien défendu. Casemiro. Modric. Avec Sergio Ramos. Mais la tête qui passe juste au-dessus du cadre. Ouais, je sais pas. Il y a peut-être cru un peu trop vite. De Jong. Griezmann. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Ouais, bien servi, Antoine Griezmann. Jordi Alba. De Jong. Oh, il fallait le sortir, ce tacle. Hors-jeu, hein, hors-jeu de Griezmann. C'est signalé et sifflé par l'arbitre. Toni Kroos. Ballon en profondeur. Allez, il peut y aller, Toni Kroos. Toni Kroos. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Jordi Alba. Ousmane Dembélé. Messi. Sergio Busquets. Coutinho. Léo Messi. Coutinho. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Luka Modric. Eden Hazard maintenant. Le Real Madrid qui s'approche du but. Oh, très bien défendu. Récupération et peut-être une action dangereuse. Lionel Messi. Il y a de l'espace sur l'aile pour le Barça. La passe de Coutinho et qui trouve un adversaire. Mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour l'arrêter? Il est parti. Le centre pour Eden Hazard. On attendait autre chose hein, qu'une sortie de but après cette action. Avec De Jong. Frankie De Jong. Et Messi. Lionel Messi. Les Blaugrana qui ont le ballon. Ouais, ça revient vers Messi. Ce ballon en profondeur qui va filer jusqu'au gardien. Luka Modric. Contre-attaque peut-être. Il va vite revenir défendre. Le centre de Vinicius Junior. Et le corner, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix là. Je pense que c'est mieux pour toute l'équipe hein, de voir sortir. Hein. Ah, il n'était pas dans le coup aujourd'hui, ça arrive. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. On s'observe de part et d'autre. On tente de petites accélérations, mais le score n'évolue pas. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Niveau sonore qui est monté d'un cran ici. Le public du Libertador fait tout ce qu'il peut pour que son équipe égalise. Je vais monter le son de mon casque du coup. Allez, il faut qu'il tienne encore 5 minutes. 5 minutes avec ce petit but d'avance. Oh, il est passé, il est passé, il y a danger. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Rendu à l'adversaire par les Madrilènes. Messi. Ce ballon en profondeur. Oh, c'était pas mal joué. C'était pas mal joué, mais c'est manqué. Ouais, pas mal joué, c'est vrai, Hervé. Mais enfin, il y a toujours ce but de retard. Le quatrième arbitre indique.
like St. Lucia Cruz. They ain't used to got moves like King Kunta. Go dumb and I need to the click up and we drink cooler. I came for the king, ruler, your shrink when you need to. Now we two, she can read future. Hat in my pockets before the TSA. Weighing my options, I think I need to stay. Just a little longer, baby, I need a vax. All up on my line like CIA. Winter, spring, summer, fall, freedom rings, miss your call. Thugging on top of the underworld. Is you gonna run? Salut tout le monde, bienvenue. Dans ce magnifique stade où les conditions semblent réunies pour qu'on ait vraiment un bon match, c'est Hervé Matou au micro, ravi de commenter ce match pour vous en compagnie de Pierre Ménès, le Bayern Munich contre le FC Barcelone. C'est l'occasion pour quelques joueurs de se faire remarquer par l'entraîneur, en bien si possible. Il a bien lu le jeu. Jordi Alba. Jordi Alba qui rend carrément le ballon à l'adversaire. Serge Gnabry. Il garde le ballon. Ter Stegen le réflexe. Oh, magnifique. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Finalement, le gardien qui repousse. Ouais, le ballon est sorti. Ce sera pour le Bayern. C'est parti dans la surface. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Duel très intéressant dans ce match avec Lewandowski que l'on va retrouver face à Lionel Messi. Oui, Lewandowski est un joueur qui s'illustre dans le dernier geste. C'est un meilleur finisseur que je connaisse. Il faut le surveiller de très près. Quant à Lionel Messi, c'est un joueur axé sur la technique qui aime porter le ballon et avec des dribbles très efficaces. Allez, il faut le mettre celui-là. Serge Gnabry. Ah, il n'y a personne. Il n'y a personne pour contrarier le Bayern Munich dans le couloir. Et il concède le corner. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Allez, rebelote, corner. Ah, très appliqué, hein. Kimmich sur ce corner. Il est en train de remonter le terrain. Et ça va donc être un corner. Le corner frappé par Joshua Kimmich. C'est manqué, cette tête passe loin du cadre. Ouais, le défenseur ne s'est pas fait surprendre, il était présent au marquage. De Jong. Il y a de l'espace sur l'aile pour le Barça. Il avait tout compris là, le défenseur, bien vu. Jordi Alba. Et Messi. Coutinho. Oh, le grand danger. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon? Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Un tacle parfaitement fait pour mettre ce ballon au corner. Le corner, le ballon en pleine surface. Là-bas. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Coutinho. Ballon intercepté sur cette passe de Coutinho.
Attention, le tacle dans une zone dangereuse. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Antoine Griezmann. Occasion de prendre l'avantage. Il n'y a rien à dire. C'est une contre-attaque absolument modèle qu'on vient de voir. Oui, elles ont remonté le ballon avec beaucoup de détermination, avec du sang-froid dans la finition. C'est impeccable. Et le Barça a donc pris l'avantage. Joli travail de conservation avec Griezmann qui tient le coup malgré la pression de l'adversaire. Frankie de Jong. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Place là pour une contre-attaque. Ils ont continué à progresser. Attention. La défense qui est bien revenue et qui met fin à ce contre. L'intervention du défenseur qui a écarté le danger. Les supporters qui savent que ce corner est très important. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Ah, c'est bien défendu. Il s'infiltre, attention. Ah, c'est pour Thomas Müller. Une tête qui n'inquiète pas trop le gardien. Jordi Alba. Jordi Alba. Avec Messi. Griezmann. Le bon ballon. L'arrêt de Neuer, mais ce n'est pas terminé. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Attention, parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. De Jong. Ousmane Dembélé. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Qui redonne à Ousmane Dembélé. De Jong. Léo Messi. Sergio Busquets. Un bien défendu de la part du Bayern qui récupère la balle. Le Bayern Munich qui a souvent le ballon, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le problème, c'est que cette équipe ne se crée pas suffisamment d'occasions dangereuses. Bon, il faut jouer plus vite, exploiter mieux la largeur du terrain. Allez, il peut égaliser là. Ah, c'est très bien défendu. Et ce tacle qui donne un petit peu de répit à la défense. Ah, la passe en profondeur, attention. Et l'action n'ira pas plus loin. Mais si. Ah non, la passe est interceptée. Une minute de temps additionnel. L'attaquant qui redescend pour jouer ce ballon. Oh, ça aurait pu passer, mais l'action n'ira pas plus loin. Interception. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. Il a signé une bonne première période d'un jeu. Match qui reprend avec toujours cet avantage pour l'équipe du Barça. Busquets, il perd le ballon. Ah, le danger là avec Lewandowski. L'arbitre qui signale un hors-jeu qui arrête le jeu. De Jong. Le ballon qui a été dévié et qui sort en touche. Le joueur qui grimace, qui reste au sol. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Messi qui perd le ballon. Et David Alaba. Au centre pour Lewandowski. Sans danger pour l'adversaire. Messi. Avec Griezmann. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, il cherchait quelqu'un, mais il ne l'a pas trouvé. Et le bon ballon donné par-dessus. Sané. Ouais, le bon arrêt là, qui éloigne le danger. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Le roi Sané. Frappe. Et la magnifique détente sur ce plongeon du gardien de but.
Ouais, très appliqué, hein, Kimmich sur ce corner. Le gardien qui repousse le ballon, qui écarte le danger. La passe est coupée, bien défendue. Koretka. Le ballon qui sort, le gardien qui va donc pouvoir relancer. Ousmane Dembélé. Un ballon perdu par le Barça. Il est parti trop tôt, dommage. Ah, la bonne qualité de ses passes. Messi. Ah oui, le bon ballon donné par Léo Messi. Le ballon piqué, attention. D'ailleurs, qui avait bien senti le coup. Léo Messi. Bravo, c'est lui qui sauve la mise sur cette action. Quel arrêt. Antoine Griezmann. Ouais, très bonne intervention défensive. Bien joué de sa part. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Le roi Sané. Qui est sorti des limites du terrain. Ça va être un renvoi en 5m50. Encore un bon ballon. De Jong. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Il faut qu'il... Il va peut-être pouvoir égaliser. Oh, la parade signée Ter Stegen. Belle extension. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. L'égalisation pour le Bayern. L'égalisation pour le Bayern. Tout est relancé. Un but partout. Les deux équipes dos à dos. Le ballon par-dessus. Il décale pour Alaba. Qui sort, ce sera une sortie de but. Messi. Ah, le drapeau s'est levé, mais ça doit être vraiment limite. Müller. Thomas Müller, quelle présence dans le jeu, devant le but. Il est toujours dans les bons coups, ce garçon. Oui, c'est pas le joueur le plus élégant de la planète, mais il défend, il provoque, il est au marquage, à la finition. Il gueule contre l'arbitre, il est partout. Et ça lui réussit bien. Il devrait battre quelques records aussi, celui-là. Serge Gnabry. Goretzka. Bayern qui perd le ballon. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Ousmane Dembélé. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Et qui va pouvoir relancer son équipe. David Alaba. Le roi Sané. Heureusement qu'il était là. Allez, le Barça qui va peut-être faire trembler son adversaire sur cette attaque. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Lionel Messi. Attention à cette action des Blaugrana. Pas sûr que ça se termine sur un match nul tout ça. Et on arrive dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire. Non, c'est joué trop fort ce ballon. Ce sera sans danger pour le gardien. Coutinho. Coutinho qui perd ce ballon. Ah oui, c'est bien fait ça. Lewandowski qui peut vraisemblablement faire quelque chose d'intéressant. Il repousse le tir. Goretzka. Robert Lewandowski. Excellente intervention. Lewandowski. Thomas Müller. Le drapeau s'est levé. Müller qui a déclenché sa course un petit peu trop tôt. Messi. Antoine Griezmann. Ouais, ça c'est très bien défendu. Serge Gnabry.
Oui, ça s'est donné comme il faut. S'il avance balle au pied. Oh, le pénalty. Et le pénalty qui va tout changer. Sifflé par l'arbitre. Oh oui, l'arrêt du gardien. Ah, super barré, il ne s'est pas laissé piéger. Le Bayern qui a peut-être l'occasion de prendre l'avantage au meilleur moment avec ce corner. Ah, très appliqué, hein, Kimmich sur ce corner. Et le gardien qui éloigne le danger sur ce corner. Müller. Lewandowski. Ah, le danger là avec Lewandowski. Le ballon qui change de position. Voilà, la fin du match. Ça se termine donc sur ce match nul. Ah, un match serré avec des buts tout de même. Écoute, on peut déjà pas dire qu'on se soit ennuyé aujourd'hui, hein. Un mot sur la performance personnelle de Lewandowski aujourd'hui. C'est lui, grâce à son but inscrit, qui permet à son équipe d'arracher le nul. On peut pas lui reprocher grand-chose, en tout cas sur ce match. Il a fait du mieux qu'il a pu, enfin c'est ce que je pense. L'occasion de prendre l'avantage. Et puis rien à dire, c'est une contre-attaque absolument modèle qu'on vient de voir. You got to do better. You got to do better. You
got to do better. Gotta get up off of your stuff. You got to do better. Stuff. You got to do better. Stuff. You got to do better. Ain't nobody giving handouts. What you can't rap, cause the world don't revolve around you. Nobody gotta break you. That's why I be by my lonely. Take the heater to the pony. That's on me. Gotta keep it bumping. You don't know what we going to. Cop for your over, then it's over you. Black man, night on the stretcher. Under too much pressure. Stay stretched out, no helping out. We gotta keep it together. Stay stretched out, no helping out. We gotta keep it together. You got to do better. You got to do better. You got to do better. Gotta get up off of your stuff. You got to do better. You got to do better. You got to do better. I'm that thing, saucy like meringue. Beat it up, she hurricane and screaming out, hey baby. Trapped up in this rat race. Money old like tax pay. Chains looking like ice age. Cashing out like tax day. Coming down like fast stop. Play with my control. Now you're talking a mad lot, but the law on your got my name, worry about yours, serving on that curve. Got my name, worry about yours, been serving on that curve. Get up off of your stuff. You got to do better. You got to do better. You got to do better. Gotta get up off of your stuff. You got to do better. You got to do better. You got to do better. I know that I got bad habits. Trying to find a balance, I'm in the store like I wanna have it, I gotta have it. You are not the toughest or baddest, my pet is the maddest. I'm probably any caboose and it's never right, I'm honest. Gas never lane, even on 10, and still they can't manage. They think I'm a shy one, like nah, Sims won't flip. But when I switch, they don't wanna say that I'm a b-
is controlling me. It's the devil in me that likes winning, yeah. I'm round that corner. You see me coming. I'm on this thing like, yeah, with it. They call me a killer, but I would just say I'm focused. Strong like a pillar, on top of you like a locust. Don't play around, I'm bound for bound. You heard me say, I'm with it. Bonjour à tous, nous avons rendez-vous aujourd'hui dans ce stade magnifique qui est l'antre du FC Barcelone. Vous attendiez cette rencontre, et bien nous aussi, je vais avoir le plaisir de vous la commenter en compagnie de Pierre Ménès. Le Barça face au Bayern Munich. Hervé, on a envie de voir un super match aujourd'hui, je pense qu'on ne sera pas déçus. Coutinho. Voilà, ça revient vers Messi. Sergio Busquets. Ouais, c'est bien joué défensivement. Bien vu. Le Bayern de Munich qui a remporté 3 UEFA Champions League de suite dans les années 70, dont une. Occasion de prendre l'avantage. Oh, le but! Oh, magnifique! Quelle reprise! Ce but au ralenti, donc on aura quand même une pensée pour le gardien. Dans un premier temps, il réussit un super arrêt. Et son problème, c'est juste qu'il n'anticipe pas le retour des attaquants. Lionel Messi. Ouais, le défenseur qui enraye cette action. Serge Gnabry. Le Bayern de Munich à l'attaque. En profondeur, attention. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Ousmane Dembélé. Antoine Griezmann. Jordi Alba. Léo Messi. Ouais, c'est venu en profondeur. Il peut y aller là, attention. Oh, c'est raté! C'est pas possible. Que c'est nul! Que c'est nul! Coutinho. Ah oui, la bonne passe. Ah, il aurait dû retarder son appel. Robert Lewandowski. Le roi Sané. Robert Lewandowski. Sané. Et le but pour le Bayern. Le but pour le Bayern qui porte son avance à 2. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant. 2-0. Con el 10, Sané. Griezmann. Il est calé de jeu. Bounassar. Kimmich, la perte de balle pour le Bayern. En profondeur, oui, bien vu. Une action qui ne donne rien. Kimmich. Robert Lewandowski. Lewandowski qui donne carrément ce ballon à l'adversaire. Ouais, le ballon qui est donné en profondeur.
Et la faute, attention à la décision de l'arbitre, parce que là il a anéanti une action de but. Il a anéanti une vraie occasion de but et la sanction va être irrémédiable. Rouge direct, Hervé, c'est la règle. Un franc très bien placé pour Lionel Messi. Autant dire qu'il y a de bonnes chances que ça fasse but. Non, c'est contré. Ouais, le ballon est sorti. Ce sera pour le Bayern. Koretka. Kinsley-Coman. Sané. C'est un petit peu raté. Là, Lewandowski perd le ballon. Lionel Messi. Ils sont allés presser l'adversaire pour aller lui prendre ce ballon. C'est remarquablement fait. Le roi Sané. Le roi Sané, il avait vu venir. Antoine Griezmann. Ballon en profondeur. Ah, il a pris du risque quand même en tentant ce tacle dans la surface, mais il a eu raison. Bien joué. Kingsley Coman. Ah, Coman qui va gagner du terrain. Sortie impeccable du gardien qui est venu se coucher dans ses pieds. L'attaquant n'a même pas eu le temps de faire accrocher. Sergio Busquets. Ousmane Dembélé. Sergio Busquets. Messi. Coutinho. Oh, très bien défendu. Ils reprennent possession du ballon. Il l'a bien vu, il l'a bien vu, c'est bien joué. Perdu par Coutinho. Serge Gnabry. Koretka. Gnabry. Le bon ballon en profondeur. Et l'action n'ira pas plus loin. Il s'échappe. Le ballon dans l'axe, attention. C'est contré par le défenseur, dommage. Goretzka. Kimmich. Lewandowski. Leon Goretzka. Ballon qui circule bien. Bouna Hassar. Robert Lewandowski. Goretzka. Kimmich. Visiblement, on cherche la brèche en faisant tourner. Coman. Leon Goretzka. Kingsley Coman encore. Le centre en retrait. Le Bayern qui marque. But du Bayern. On revoit cette excellente inspiration. Centre en retrait. Toute la défense est surprise. Et pour finir, l'inévitable Lewandowski à mi-distance. Toujours dans les bonnes actions polonais. La transmission. Kimmich. Sané. Le Bayern de Munich à l'attaque. Oh, dommage, ça n'ira pas plus loin sur cette action. On aura droit à une petite minute de temps additionnel. Goretzka. Kingsley Coman. Leon Goretzka. Robert Lewandowski. Hors-jeu, oui, hors-jeu. Mi-temps donc ici, avec donc déjà 3 buts d'avance. On espère que... Le Bayern qui mène donc. Une période qui débute à l'instant. Allez, ça va peut-être lui redonner confiance. J'espère pour lui parce que pour le moment c'est vraiment pas terrible. Perdu par le Barça.
Serge Gnabry. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Il y avait certainement mieux à faire. Le ballon est perdu. Dommage. Alphonso Davies. Ouais, bien joué par-dessus. Ah oui, magnifique ça. Oh, il l'a bien enrhumé. Hein. Serge Gnabry. Frappe. Intervention du gardien au prix d'un joli plongeon, Pierre. Ouais, ouais, ça fait le boulot. C'est tout ce qui compte. C'est un coup franc en faveur du Bayern. Ligue barcelonais qui n'y comprend rien. Il faut dire que son équipe a rarement vécu une telle débâcle. Elle touche très peu de ballons en ce moment, c'est incroyable. On va venir presser, bien sûr, Manuel Neuer. Ouais, bien joué la remise. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Ouais, qui va pouvoir relancer son équipe. Kimmich. Lewandowski. Oh, il n'y a personne pour l'arrêter. Ça peut donner quelque chose, ça. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Le Barça qui continue, il y a avantage. On a perdu un peu bêtement par Griezmann. Ousmane Dembélé. Antoine Griezmann. Messi. Ah oui, le but. Le but qui vient alléger un petit peu la note. Oh, une note qui reste quand même encore un peu chez Ross, hein, pour espérer quoi que ce soit, on va pas se mentir. Hein. Et il redonne le ballon à son équipe avec cette récupération. Ah, la bonne qualité de ses passes. Ah oui, Lewandowski, bien joué. Mais l'action n'ira pas plus loin. Frankie de Jong. C'est donné sur l'aile. Oh, c'est bien donné en profondeur. Oh, le poteau. Et ça sort. Du mouvement au bord de la touche. Alfonso Davies, Joshua Kimmich. Ah, le Bayern qui va essayer de s'engouffrer dans ce boulevard. Attention, il n'y a personne sur lui. La reprise magnifique. Magnifique but. Une reprise parfaitement exécutée. Sur la séquence complète du but, on voit que les joueurs se trouvent très bien. Beaucoup de précision dans ce centre. Et ensuite, frappe à mille distance, imparable, puissante. Griezmann, Coutinho, Messi, Antoine Griezmann. Hors-jeu, oui, monsieur l'attaquant, il faut s'arrêter. Un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué. Léo Messi, Busquets, il va y aller, et but, un but qui ne changera pas grand chose au score de ce match. Enfin bon, ça fait toujours plaisir. 4 buts à 2, nouvelle évolution du score, on se régale. Bonne lecture du jeu hein, sur cette interception. En train de se faire enfermer là. Griezmann. Attention, le tir. Et le voici. Oh, le voici, le but qui peut tout changer. Et pourquoi pas. Plus qu'un. Et ils seront de nouveau à égalité. Quel scénario. Allez, s'ils veulent arracher le nul, c'est sur cette dernière occasion. De Jong. Messi.
Ah, il tacle. Ah, l'arbitre assistant qui a levé son drapeau. Ah, il y avait un boulevard devant lui. C'était trop beau. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Ça se présente plutôt bien pour ces joueurs dans la seconde période. Attention, ne pas se relâcher. Bah, le Bayern de Munich qui n'est pas impérial dans cette rencontre, mais qui a des moyens de préserver son petit but d'avance jusqu'au bout. Il s'empare du ballon. Oh, que c'est bien donné ça. Lewandowski qui peut vraisemblablement faire quelque chose d'intéressant. Ah, ce ballon piqué qui vient tromper le gardien. Alors qu'on revoit la contre-attaque. Après, une petite gourmandise. Je ne déteste pas ça, les gourmandises. Avec ce ballon piqué pour passer juste au-dessus du gardien et conclure en finesse. Antoine Griezmann. La passe ratée de Griezmann. Allez, il va falloir certainement tenter d'arrêter Jordi Alba parce qu'il peut être dangereux. Il a bondi, il a jailli très vite, hein, le gardien. Elle est trop. Allez, il peut réduire l'écart là peut-être. Ouais, le but, la réduction du score pour cette équipe alors qu'on jouait les dernières minutes du match. Alors, est-ce qu'on va assister à un petit miracle? Bah, miracle, j'en sais rien, mais j'en connais quelques-uns qui ont intérêt à être sérieux en défense parce que ceux qui viennent de marquer viennent de reprendre espoir grâce à ce but. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. 2 minutes de plus au minimum, c'est ce qu'indique le quatrième arbitre. C'est Coman qui s'est un petit peu raté, qui a fait un cadeau de ce ballon à l'adversaire. Ils vont essayer d'égaliser sur ce ballon, certainement l'un des derniers. Oh, il s'en est fallu de peu! Some paper to chase. I've been grafting all year, still ain't taking a break. Fam, I need to vacate, get my shades out the case. Trust me, can't nobody ever throw shade on the H. Ain't never easy, had to wait for my plate. Promises were made, but man, they're blatantly fake. Had to change all my ways, I just weighed up the game. Now the radio plays, I just making me cake. Look, it's easy, got your girlfriend in the feelings. Then I'm linking Simon, talking millions in meetings. 19 years old, 4 bills and we go eating. 19 on the plate, 4 circles on the keyring. Looking at the charts, come like looking in the mirror. Murdered every feature when you greet me. Bonjour à tous, nous sommes en Espagne aujourd'hui, plus exactement. Shall not perish from the earth. Nah, sweet girl, don't trust no one.
Bonjour à tous, nous avons rendez-vous aujourd'hui dans ce stade magnifique qui est l'antre du FC Barcelone. Pierre Ménès a pris place à mes côtés pour vous faire vivre avec moi ce grand rendez-vous de foot. J'espère bien sûr se régaler. Et malheureusement, plus beaucoup de matchs à jouer et ça commence à sentir sérieusement le sapin pour eux. Une chose maintenant. Oh, personne ne peut l'arrêter, il est passé. Frenkie de Jong. C'est Barcelone qui perd ce ballon. On perd de la balle. Frenkie de Jong. Bon, ça c'est bien joué dans la course. Ah, il aurait dû retarder son appel. Paolo Dybala. Elle frappe contrée par le défenseur. Alors personnellement, j'ai assez hâte de voir ce que peut donner cette opposition où l'on verra Léo Messi face à Cristiano Ronaldo. Eh bien, Léo Messi est un joueur capable de s'infiltrer entre les lignes et de donner d'excellents ballons dans le dos de la défense. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo est un joueur dont on ne présente plus la qualité du jeu de tête. Le centre qui est dégagé du point par Ter Stegen. Coutinho. Le ballon est perdu par Coutinho. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ah, le tacle glissé. Coutinho. Léo Messi. Coutinho. Il avait vu venir. Messi. De Jong. Ah, très bonne anticipation sur ce ballon. Allez, dans le couloir. Attention, si ça rentre. Un ballon perdu par le Barça. Ouais, très bon duel défensif, bien joué. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Dybala. Ronaldo. Ah, ça passe assez loin. Finalement, il y avait de l'idée, hein, mais le problème, c'est que c'est super mal réalisé. Ousmane Dembélé. Lionel Messi. Griezmann. Griezmann. Ah, il va devenir dangereux. Allez, il peut y aller. Qui repousse, ballon toujours en jeu. Ouais, le but, oh, qu'elle est belle! Quelle reprise! Techniquement, c'est parfait, magnifique! Ah, il les aime, hein, ces gestes. Cristiano Ronaldo, il faut dire que c'est beau. C'est qui a manqué sa passe et qui donne le ballon à l'adversaire. Cristiano Ronaldo. La frappe de Cristiano Ronaldo. Oh, l'égalisation! Elle est au fond! Le réalisateur qui nous propose les images de cette contre-attaque. La suite est brillamment exécutée par Cristiano Ronaldo, toujours présent à la conclusion. Et ils égalisent donc un but partout. Con el 7, Ronaldo. Encore une bonne séquence de passes des Barcelonais. Oh oui, encore une bonne passe. Un redoublement de passes pour créer de l'espace. Messi, Griezmann, Léo Messi, Antoine Griezmann, attention il va marquer, ouais la bonne intervention de Chesney, Coutinho, Griezmann, Jordi Alba, allez l'occasion peut-être de mener, oh bien joué, c'était chaud, il a dégagé. Juan Cuadrado.
Ah, c'est finalement un match assez équilibré auquel on devrait assister, Pierre. Barça sait que c'est loin d'être joué, qu'il faudra rester concentré et appliqué, mais je pense qu'on va avoir une belle rencontre. Arthur, Federico Chiesa. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Et cette faute qui donne un coup franc vraiment dangereux. Ah, le coup franc qui vient frôler le montant. Ouais, je peux te dire que le gardien est soulagé de l'avoir passé à côté, celle-là. Ça va nous perdre par le Barça. Cristiano Ronaldo. Ouais, l'arrêt du gardien, prise de balle parfaite. Oui, avec les supporters qui commencent un peu à s'impatienter. Je ne pensais pas que leur équipe se créerait aussi peu d'occasions aujourd'hui. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Antoine Griezmann. Allez, oui, il va y aller. Oh, le but! Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe dans cette rencontre! Et on va guetter la réaction de l'autre équipe parce qu'il reste un peu de temps quand même. Encore un bon ballon. Lionel Messi. En face de Coutinho. Et qui trouve un adversaire. Lionel Messi. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Attention le danger. Très bonne intervention. Bien vu, c'est pas terminé. Et corner. Attention, il peut faire le break hein, sur ce ballon. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Finalement, le gardien qui repousse. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Ah, il s'est un peu précipité, là. Federico Bernardeschi. Une minute, c'est le temps additionnel qui est indiqué à l'instant. Donne dans l'axe, attention. Ah, c'était dans la surface et c'est donc un penalty. Elle va coûter cher cette faute. Parce qu'elle va permettre aux adversaires peut-être d'égaliser. Voilà, l'arbitre qui va renvoyer tout le monde au vestiaire sur ce score de 2 buts à 1. Un petit mot peut-être d'analyse sur la première période de Messi. On peut dire qu'il a réussi une bonne première période. Il n'est pas non plus irrésistible. Mais s'il... C'est donc reparti pour 45 minutes. Oui, l'arbitre vient de siffler à l'instant. Interception. Lionel Messi. Ouais, le défenseur qui enraye cette action. Oh, c'est bien donné en profondeur. Ça, c'est un bon ballon. Ça, c'est un bon ballon pour Cristiano Ronaldo. Oh, l'égalisation! L'égalisation, Pierre! Ouais, ouais, les joueurs ont su créer le danger et profiter d'un petit peu de suffisance, peut-être, dans le camp d'en face. Et c'est encore un retour au score, une nouvelle égalité. Ouais, ça, c'est très bien défendu. Coutinho. Jordi Alba qui a un boulevard hein, devant lui. Perdu par le Barça. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Et la remontée du terrain qui se poursuit. Attention, attention à lui. La contre-attaque est claire qui se termine par un but.
C'est vraiment très bien joué. Ouais, il ne s'est pas éculé beaucoup de temps entre la récupération de la balle et le but. Les défenseurs n'ont pas eu le temps de comprendre, on dirait. Le FC Barcelone qui voit son adversaire prendre l'avantage. Oui, bien joué, récupère la balle pour son équipe. Cristiano Ronaldo. Belle série de passes et ça peut devenir dangereux. Bonne intervention là du gardien sur ce centre. Avec De Jong pour Coutinho. Le jeu qui se poursuit. Il y a avantage, c'est bien arbitré. Oh, magnifique, le gardien, le sauvetage. Daniel Carpio, répétons. Daniel Busquets. Carpio, avec 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ça, c'est un ballon perdu par Antoine Griezmann. Un mal défendu. Ah, c'est pas normal de se faire avoir comme ça. Lionel Messi. Messi. Contre-attaque peut-être. Messi. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Ouais, la bonne intervention de Chesney. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Léo Messi. Federico Chiesa. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. La frappe est non cadrée. Dommage, hein, c'était l'occasion pour eux de prendre le large. Ouais, indirectement, il remet l'autre équipe dans la course du coup. Sergio Busquets. Frankie De Jong. Avec De Jong. Antoine Griezmann. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Oh, le but! Ouais, l'arbitre assistant a signalé une position de hors-jeu avant le but. Oh, bien vu ça. Peut-être l'égalisation. On a cru à l'égalisation, la Pierre. Ah ouais, mais quelle maladresse à la finition. Il lui redonne. Une bonne séquence de passes des Barcelonais. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Oh, mauvais endroit pour commettre une faute. Ça va donner un bon coup franc. C'est contré. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Le contre qui se rapproche du but adverse. Il centre vers Dybala. Un danger qui s'écarte avec ce long dégagement. Jordi Alba. Antoine Griezmann. Messi. Avec De Jong. Ouais, Messi, ça c'est bien joué. Oui, la passe. Un ballon piqué, parfaitement dosé. Ah, décidément, dans ce match, personne n'arrive à prendre le meilleur sur l'autre. Ouais, bien joué de la part de Coutinho. Attention, attention à Léo Messi. Ah, la défense qui a du mal. Et le but. Oh, le match qui vient peut-être de basculer. Peut-être le but de la victoire, hein, Pierre. Ah, c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Hein. Ah, ça devrait être la dernière attaque. Non, absolument. Oh, personne pour l'arrêter. Attention. Oh, il marque. L'égalisation. Il remet les deux équipes à égalité. Et avec ce but, tout est à refaire. 7 minutes, hein. Il reste 7 minutes dans le temps réglementaire. Attention à cette occasion, ça pourrait bien être la balle de match. Quelle bonne séquence de passe des Barcelonais. Griezmann, c'est une balle de but ça. Allez, il faut bien le tirer, hein. Ce corner, il peut marquer. Qui joue court. Guillaume, dans le retrait. Oh, elle va faire du bien à son équipe, cette interception. Attention à l'éventuelle contre-attaque.
Cristiano Ronaldo toujours. C'est pas ce qu'il voulait faire, il a perdu le ballon. Cristiano Ronaldo. Frankie de Jong. Griezmann. Allez, faut tout donner sur ce ballon, il faut monter. Messi. Ah non, la passe est interceptée. Cristiano. Juan Cuadrado. La frappée, il a été contré. La fin du match. Et c'est donc fini entre ces deux équipes qui n'auront pas réussi à se départager. Ouais, pas de vin. Salut, bienvenue à tous. Vous le voyez, les conditions météo qui nous attendent aujourd'hui sont absolument excellentes. Je suis au micro, vous vous en doutez, aux côtés de Pierre Ménard. Bonjour à tous, nous avons rendez-vous aujourd'hui dans ce stade magnifique qui est l'antre du FC Barcelone. On est bien installé, Pierre Ménès et moi, on est ravis vraiment de vous faire vivre cette rencontre qui s'annonce passionnante. Le FC Barcelone contre l'Allemagne. On va assister à un match passionnant, deux équipes qui pratiquent du très bon football. Sergio Busquets. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. Le ballon perdu par le Barça. Gundogan. L'Allemagne qui attaque. Ah oui, c'est le jeu. Il repousse le tir. Messi. Philippe Coutinho. Lionel Messi. Il glisse ce ballon en profondeur. De Jong. Lionel Messi. Frankie de Jong. Et le but, l'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. C'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Le bon ballon. Ter Stegen, attention, l'action qui se poursuit. Oh, il est partout, le gardien, ce n'est pas fini. Lionel Messi. Une grosse débauche d'énergie en perspective pour les visiteurs qui décident maintenant. Attention, attention à Léo Messi. Ouais, bien joué le gardien. Sergio Busquets. La
bonne présence là du gardien. Une occasion manquée qui peut redonner confiance à l'adversaire car finalement rien n'est fait dans ce match. Hein. Attention, il peut aller au bout maintenant. Mais ce sera à 6 mètres alors qu'il était en bonne position. Dembélé. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Léo Messi. Ouais, bien joué. Beau geste défensif. Le Roi Sané. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Encore le Roi Sané. Allez, ils peuvent égaliser là. Ouais, le bon arrêt là qui éloigne le danger. Intercepté, la passe de Messi. Allez, le centre maintenant. Timo Werner. Ilkay Gundogan. Ok, Goretzka. Il va y aller. Ouais, le but, oh, qu'elle est belle! Quelle reprise! Techniquement, c'est parfait, magnifique! Allez, tout est à refaire, un but partout. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Attention, joueurs allemands, il va y avoir danger. Oh, attention, il met tout le monde dans le vent. Ah, il attendait sans doute la passe plus tôt. Lionel Messi. Avec Dembélé. Ah, les visiteurs, ils semblent décidés à presser l'adversaire. Ah, c'est une tactique un peu risquée à l'extérieur, mais l'entraîneur sait visiblement ce qu'il fait. On a tous pensé qu'il allait la mettre dedans et il la mise à côté. Ouais, c'est quand même un petit manque de réussite parce que techniquement, c'est quand même pas mal fait, pour être honnête. Havertz. Emre Can. Sané. Allez, ça joue vers l'avant. Ouais, ça joue bien collectivement. Ça circule bien. Ouais, impeccable la récupération. Là, il concède le corner après ce très bon tacle. Sané. Ouais, il efface bien son vis-à-vis. Je crois qu'il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. Attention, le tir. Oh, le but. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe dans cette rencontre. Et on va guetter la réaction de l'autre équipe parce qu'il reste un peu de temps quand même. La Mannschaft à l'offensive. Qui a carrément rendu le ballon là. Bien donné encore une fois. Très sans complexe, l'équipe visiteuse qui fait du pressing maintenant. Oui, parce qu'elle sent sûrement que l'adversaire a trop de liberté dans la construction de son jeu. Kadic qui a faute, coup franc pour le Barça. Busquets. Une balle d'égalisation. Oh, que c'est bien défendu! Il y avait grand danger! Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Timo Werner. Kimmich. Havertz. Oh là là, l'occasion. Attention, c'est certainement pas terminé. Gundogan. Avec Gundogan. Havertz. Ouais, lumineuse cette passe. Oh, il était temps d'intervenir là. Encore une bonne passe. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, il cherchait quelqu'un, mais il ne l'a pas trouvé. Le Roi Sané. Stegen, qui n'a pas capté le ballon. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Oh, il s'est ouvert le chemin du but. Ça peut donner quelque chose, ça.
contre-attaque parfaitement menée, qui ne pardonne pas. C'est vraiment bien joué d'un bout à l'autre, de la récupération à la finition. Je valide. Voilà, c'est la mi-temps qui intervient sur ce score de 2-2. Pierre, vous l'avez trouvé comment, Antoine Griezmann, dans ses 45 premières minutes? Très bonne première période pour lui, surtout avec cette égalisation intervenue juste avant le repos. C'est parti pour la seconde période avec l'Allemagne qui a donné le coup d'envoi. Koretka. Et ce ballon qui est perdu. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. C'est pas passé loin, mais on reste à égalité pour le moment. Ils vont pouvoir jouer la touche. Intercepté, passe de Messi. Timo Werner. Allez, il faut le mettre celui-là. Ouais, le bel arrêt là du gardien, mais ça peut revenir. Coutinho. Avec ces stats, c'est encore plus clair. On assiste à un vrai beau match de foot avec des occasions à l'appel de part et d'autre. Avec De Jong. Ousmane Dembélé qui perd ce ballon. Attention à cette attaque allemande. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Et le but! Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Il va falloir préserver ce résultat maintenant, ça va pas être facile. Le Barça est mené. Ils ont le ballon, ils font tourner avec l'espoir d'égaliser, bien sûr. Allez, peut-être le but égalisateur. C'est contré par le défenseur, dommage. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Ah, le contre un petit peu tué dans l'œuf avec ce ballon perdu. Coutinho. Perdu par Coutinho. Très bonne anticipation sur ce ballon. Ah oui, le bon ballon là. Ah, le but qui part d'un mauvais ballon provoqué par un gros pressing, vraiment. L'entraîneur ne s'en cache pas. Il a toujours dit que ça faisait déjouer l'adversaire. Et là-dessus, on ne peut pas lui donner tort. 4-2. Nouvelle évolution du score. On se régale. Attention, joueurs allemands. Il va y avoir danger. Le gardien qui est loin, sorti impeccable du gardien qui est venu se coucher dans ses pieds. L'attaquant n'a même pas eu le temps de faire accrocher. Coutinho. Antoine Dialba. Ballon perdu par Antoine Griezmann. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Il a démarré un petit peu vite. Lionel Messi. Messi. Ah non, la passe est interceptée. Grosse débauche d'énergie en perspective pour les visiteurs qui décident maintenant de faire une pressing. Oui, on le voit, Hervé, l'entraîneur a demandé de venir au... Oh, l'occasion! Le défenseur qui contre ce ballon. Goretzka. Goretzka. Ah oui, il le met. Le gardien qui n'a pas pu se coucher sur ce tir extrêmement rasant. Un buteur qui gagne son duel face au défenseur et qui derrière ne laisse aucune chance au gardien. Un très bel action, superbe exploit individuel pour conclure. Ils ont l'avance très confortable à l'approche de cette fin de match. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Lionel Messi. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini.
Sané. Attention, peut-être une occasion pour la Mannschaft. C'est venu en profondeur. Ouais, c'est un peu précipité là. Ouais, ça, c'est un bon ballon récupéré. Ouais, bien sûr, il fallait l'arrêter, mais ça pourrait lui valoir un carton. Allez, à cette distance, ça se tente. Et le mur qui repousse ce ballon. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Timo Werner. Oh là là, de juste. Ouais, bien joué. Très bien joué de la part du gardien. Excellente sortie dans les pieds. Et le pressing haut pour aller chercher ce ballon. Ça a payé. Oh, personne pour l'arrêter. Et attention. Oui, bien joué le gardien qui écarte le danger. C'est une rencontre assez bizarre à laquelle nous assistons, Pierre. Perso, quand on a préparé le match ensemble tout à l'heure, je me suis dit que ça se terminerait sûrement par un 0-0 des familles. Et bien, j'avoue que je me suis planté, oh, une fois de plus. Hein. Enfin, il y a quand même une équipe qui se balade. Hein. Ballon rendu à l'adversaire. À l'attention, à l'éventuelle contre-attaque. Oui, il a du soutien. Oh, la bonne occasion. Le ballon...